On est à côté de Rennes. Une mise au vert totale. On est au milieu d'un golf. Où là, il y avait les Japonaises, mais je sais pas si elles sont encore là. Le premier stage qu'on a fait était à Perros-Guirec. Donc là, après on a été à Clairefontaine. Notre premier match de compétition était donc à Paris, au Parc des Princes. Cap au sud, où là par contre il a fait chaud, on a transpiré surtout à cause de la chaleur. On a été donc à Nice. Et puis bah du coup maintenant on est retourné en Bretagne. Grande diagonale, grand écart. Et donc du coup on est à Rennes. Et puis bah là, stade encore à guichet fermé. Et puis bah on verra la suite comment ça va se passer. On espère que ça se passe aussi bien que les deux premiers matchs. Et en tout cas on va tout faire pour. Voir de la nature comme ça, ça fait du bien aussi que d'être enfermé dans un hôtel. Donc il y a je crois 4 appartements par maisonnette, en sachant qu'on est 4 dans chaque appartement. Ça fait des petites maisonnettes sympathiques, un peu sur pilotis. Donc, on va attaquer le troisième match de poule. Donc pour le moment ça s'est bien passé parce qu'on a eu 2 victoires sur 2 matchs. Donc voilà, on va viser le 3 sur 3. Merci. Les Bretons sont connus pour être là aussi présents à chaque fois, donc on en était sûr qu'ils allaient répondre présents. Et puis bah, on espère que ça va se passer super bien et que pendant tout le long de la compétition, ça soit pareil. Non, il reste que la coach. Là, c'est là où on mange. Donc il y a le table des joueuses et la table du staff. Voilà, là c'est notre petit coin à nous. Il y en a qui se mettent au téléphone, voilà, qui profitent encore des derniers rayons de soleil. Souris Marion. Là, il y a nos costumes. Bien rangé parce que ça c'est celui du deuxième match. Ouais. T'as celui de ce match oui. Du prochain match. Donc les joueuses sont en bleu blanc rouge et les gardiennes en bleu turquoise. Voilà, les deux derniers bâtiments c'est bâtiment médical et joueuses. Tout le monde se fait soigner pour qu'après les filles elles puissent courir à 100%, qu'elles soient en pleine forme. Voilà, faut passer par là. Hein. Des bottes pour la récupération. On fait du chaud et du froid en même temps. On a les télés un peu partout, donc... Bah Vivi, vas-y si tu veux, vas-y. Non, je t'écoute. Non, vas-y, il n'y a pas de souci, Vivi. Donc non, on a les télés un peu partout, donc c'est vrai que quand on est en soins, on en profite aussi pour regarder un peu les matchs. Voilà, le bureau du doc, il est tranquille et puis il n'y a pas trop de monde pour le moment, donc c'est un bon signe. On est toutes là regroupées et c'est pas mal. Ça fait un bon petit endroit. Là, il y a des petits sièges et tout pour s'asseoir tranquillou. C'est très vert et très calme. À part les... Voilà, on les entend pas trop encore, mais à part le soir où quand tu vas te coucher, il y a les grenouilles et les crapauds. Enfin, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, tout le monde s'est bien reposé et tout le monde est en forme pour la suite.